Rebonsoir, c'est encore moi. Je voulais faire une petite vidéo sur un câble optique cette fois. C'est un câble que j'ai acheté tout récemment. Franchement, je ne l'ai pas encore testé. Mais vu la qualité de fabrication, je sais que je ne serai pas déçu du tout. Donc c'est une marque chinoise, Ugreen. C'est quelques amis qui m'ont conseillé cette marque. Apparemment, ils font de super produits électroniques. Enfin, des petits, on parle de petits produits, genre lecteurs de cartes SD, des adaptateurs, des réplicateurs de ports USB pour PC, des boîtiers de disques durs externes. Enfin, c'est de l'électronique légère, quoi. Apparemment, c'est une marque récente, mais ce que j'ai vraiment remarqué et apprécié, c'est que le rapport qualité-prix est vraiment au rendez-vous. Pour ce câble-là de 5 mètres, je crois, ça m'a coûté 4 dollars. Donc environ 4 dollars, 1 dollar par mètre. Là, en ce moment, sur Amazon, je vais laisser le lien plus tard, ils ont le modèle... Bon, ce modèle-là, il n'est plus en stock, parce qu'il est... Ça, c'est le modèle d'entrée de gamme. Il est tout en plastique. Franchement, la qualité est merveilleuse. Le modèle qui est en stock en ce moment sur Amazon, c'est le modèle d'après, qui est une sorte de câble blindé, avec du blindage. Et il n'est pas bon. Ça coûte moins de 9 euros. Ça reste quand même un très très bon rapport qualité-prix, à mon sens. Voilà. Ça, c'est le câble optique que j'ai acheté récemment. À la prochaine pour une autre vidéo. Si tu as aimé la vidéo, un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. J'aurai encore plus de vidéos à partager avec toi. Salut!